Rodolphe ? Oui, bonjour. Alors vous êtes avec nous sur la foire de Tours, mais vous n'êtes pas là pour la première année. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Oui, effectivement, c'est la 19e foire de Tours que je fais. Je suis présent depuis 98, depuis que j'ai terminé mon service militaire. Waouh, vous êtes un fidèle alors ? Oui, tout à fait, ouais. Et alors qu'est-ce qu'on peut retrouver chez vous ? Qui êtes-vous ? Chez nous, on va retrouver toute une partie de spécialités fromagères, les beignets de Sainte-Maure, les tourneaux de Comté, des minsters frits, donc une belle cuisine gastronomique fromagère qui a pris naissance sur la foire de Tours, parce que c'est là où j'ai appris à faire beaucoup de choses en traiteur, en restauration. Super, et puis donc vous avez un bel emplacement, vous avez un comptoir hein, tout autour, on ne vient pas juste chercher à manger, on peut venir s'installer. Oui, vous pouvez venir vous installer, planter votre tipi comme ils font à côté, il n'y a pas de souci, on peut faire ça. Et partager un moment de convivialité au village sur votre stand Rodolphe Le Meunier. Voilà, ce qu'il y a de sympa, c'est qu'on a, plein de bons fromages, plein de bonnes recettes assez spécifiques. Et autour de nous, il y a plein de marchands de vins qui font des vins vraiment spécifiques. On a du Bourgogne, on a du Chinon, du Saint-Nicolas de Bourgueil, du Saumur, du Sancerre, du Blanc, du Rouge. Donc c'est super sympa de pouvoir marier un petit peu tous les plats qu'on peut retrouver chez moi et puis chez mes confrères comme Olivier, comme tous les autres personnes qui font à manger sur le village gastronomique. Et puis après, il y a de quoi s'éclater avec toutes les personnes qui font à boire sur le village gastronomique aussi. Super, donc on va chez les copains prendre un verre de vin et après on vient s'installer chez vous pour manger un bon morceau de fromage. Et bah c'est ça, vous avez tout compris. Super, bah merci beaucoup Rodolphe et puis bah bon village, bonne foire. Merci, puis bonne foire à tous.